Cosse, contrairement à toutes les grandes propriétés du Médoc, n'a jamais été un lieu de vie, un lieu de pouvoir politique ou économique, contrairement à la plupart de ses crus classés, construits avant le classement impérial de 1855. Ça a toujours été un temple dédié au vin, dédié à la vinification et l'élevage du vin. Et Louis d'Estournel, le fondateur, voyageait beaucoup en Inde. Il a vendu des récoltes entières entre 1820 et 1840, et il a été très novateur, avant-gardiste, et a construit ce cuvier, ce chai, avec une touche indienne orientale. Cosse est à la frontière géologique entre Saint-Estèphe et Pauillac, donc il y a des argiles frais affleurant sous les graves, ce qui donne une définition de style très particulière au vin de Saint-Estèphe. Cosse est peut-être le plus Pauillac des Saint-Estèphe, c'est un vin très épicé, et notre terroir de graves est chaud, drainant, très propice à l'expression du grand Cabernet Sauvignon. Tout ce qui est ici est assez simple, c'est simplement de l'inox. Il se trouve que c'est de l'inox de très bonne qualité, avec des cuves qui reprennent la tronconicité des cuves bois d'antan du 19e, des vieux cuviers Skavanski du Médoc, tels qu'on les retrouve à Pontécanet par exemple, qui permettent un meilleur échange durant les fermentations alcooliques entre le mar et le jus. Donc nous n'avons fait rien de novateur, d'extravagant, de technologique. Nous avons simplement essayé de respecter l'intégrité du fruit et du raisin, depuis la vendange jusqu'à la mise en bouteille, en travaillant en 100% gravité, c'est-à-dire sans pompe, y compris durant les vinifications, puisque nous avons des cuves qui sont sur ascenseur, qui nous permettent lors des délestages, des remontages, des saignées, de travailler nos jus et donc d'extraire les éléments colorants, anthocyane, tanin, polyphénol, de manière la plus douce, la plus respectueuse possible de l'intégrité du fruit et du raisin. Cosse est une propriété comme beaucoup qui est très ancienne, bien sûr, qui a donc un patrimoine, je dirais un ADN inscrit dans son terroir, ce qui veut dire qu'on a une collection de tous les grands millésimes. Cosse est très connu pour ses notions d'épices, de poivre, c'est très oriental, presque curry dans certains millésimes. Vous avez une puissance, un côté très masculin avec un côté très épicé, très poivre.